Comment ajouter un flou à une vidéo verticale sur Adobe Premiere Pro? Moi c'est Rodolphe et si tu es nouveau sur cette chaîne, mon but c'est de te montrer les bases pour bien monter sur Premiere Pro. Donc on va mettre nos vidéos sur la timeline. Donc vous allez constater que en fait quand j'ai mis la vidéo sur la timeline, la vidéo il y a des bordures. Il y a des bordures noires à côté de la vidéo. Donc ce n'est pas trop la classe si on laisse comme ça en export. Donc premièrement il faut dissocier la vidéo et l'audio. On va aller dans effet contrôle. On va réduire la taille de la vidéo pour avoir tout la vidéo pour que ça se voit tout quoi. Maintenant on va dupliquer la vidéo. Vous appuyez Alt et vous dupliquez la vidéo. Donc celle de en bas on va l'agrandir pour que ça soit plein. Voyez. Et vous allez dans effet et vous tapez flou gaussien. Moi comme c'est en anglais je clique blue gaussien. Donc ça sort en même temps. Donc vous mettez ça sur la vidéo ou bien sur la vidéo qu'on a dupliqué qui est en bas. C'est celle qu'on va flouter. Donc vous venez dans l'effet contrôle de la vidéo qui est en bas. Vous cochez la cage de repeat edge qui permet d'avoir le flou jusqu'à aux bordures de la vidéo. Vous pouvez choisir l'horizontal ou vertical mais que ça soit sur les deux. Donc vous voyez que ça devient flou. Donc c'est un peu plus joli si la vidéo elle est comme ça. Vous pouvez diminuer aussi le flou. Vous pouvez diminuer un peu que ça soit un peu légèrement flou. C'est à vous de voir. Il faut juste ajuster ici. Là où on a écrit les chiffres, vous ajustez. Ouais, vous ajustez, vous pouvez mettre ça à 200% si vous voulez, mais réduire ça. Donc les amis, c'est ça. Comment mettre un flou sur une vidéo verticale dans un 16:9. Merci d'avoir suivi et abonne-toi pour avoir plus de vidéos.